Y a pas à être gourmand comme ça, mon salaud. Du coup, soupe reste. Il y a peut-être un monde où soupe peut rester, ouais, effectivement. Ah ouais, c'est vrai, ça, attends. Écoute combien là? Parce que là, on a combien de points là? Attendez. Putain, les mecs, ils ont vu que j'allais jouer. Ils étaient heureux. Et là, tu viens de poser cette question, ils te détestent. Parce qu'ils m'ont vu retourner en arrière. 4, 8, 12, 17, 20, 21, 30, 36, 45, 54, 56. On a 4 points de. 4 points. Est-ce bon vieux Geoffrey? Eh. Vas-y, viens, Geoffrey. Ouvrir. Je vais ouvrir. Ah ben non, je peux plus, je suis un connard. Bah oui. Eh ben oui. Joue, comment ça joue? Merci Bambino pour le sub. Ah oui. Bah Geoffrey pourra peut-être rester, ouais. Un an de plus. On verra bien. On verra bien, on verra bien. J'avoue que garder en saison 2 nos 13 premiers bébous, c'est exceptionnel. Hein. Ah oui. Ah oui. Donne sa mère. C'est pas grave. Juste pour dire de garder les 13 premiers et de les emmener en Conti Pro. Eh ben oui. Une année. On le re-signe un an. Bah oui. Non, bah je lance pas la course tant qu'on n'est pas level 8. Ah, je rigole, je rigole. Ah, t'imagines le type? On lance une course tous les 10 subs. Bon, bah on est parti. Cazou de les Béziers. Ça, c'est du beau bled, ça. Ça nous régale. Cazou de les Béziers. Cap Découverte. Col de Bérède. Rocamadour. Oh, y a pas de chrono. Oh, Maurizio. Y a Maurizio sur la course. Oh, détection des jeunes, on a FF, ça sert à rien en fait. On n'a pas assez de thunes encore pour développer les jeunes. Bah écoutez, c'est parti, hein. C'est parti, petite semaine dans le sud-ouest. On va se régaler là en fait. Bah oui. Eh bah oui, eh bah oui. C'est propre. Merci Bambino. Merci Koulux pour le Prime. Eh bien bonjour à vous. Cette course est relativement plane. C'est vraiment. Oh Clément! Clément devant, plus 3, boum, t'es en forme, magnifique. Allez mon grand. Allez mon grand, allez mon grand! Ah, il y a Maxime et Maxime n'est pas en forme, hein, donc. Fin de saison. Ouais, je les ferai, je les ferai, je les ferai. Allez Clément, boum, ça part. Clément! Clément, Clément, Clément! Premier maillot à peau de la route d'Occitanie. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule de fou. Oh, le sprint de Zinzin qui arrive là. Hop, hop, hop. Ah merde. Clément repris. Ah mais les brioches, elles nous font chier là. Qu'est-ce que tu nous fais Qu'est-ce qu'elles nous font les brioches là? Qu'est-ce qu'elles nous font? Maxime, ah, Maxime à moins 1 là, mais Maxime, Maxime, il n'y a pas de chrono pour une place 7 au général, Maxime. Maxime, il est habitué à nous sortir des belles perfs sur les courses comme ça. Hein, je te le dis. Hein. Ah c'est bon, les brioches se sont arrêtées. Du coup on va être 4. Leni, Danse, Van, Zel. Clément Carissé, Clément, c'est ton moment. Premier meilleur grimpeur de la route d'Occitanie. Ça part de là, Clément. 20 points à prendre aujourd'hui. Col des Trévents. Des Trévents, il n'y a pas une faute là. C'est pas 13 vents. Il a fait les CLM championnat de France, Clément, non? Ouais. Goujard aussi, hein, je crois. Je crois que c'est les deux seuls de l'équipe qu'ils ont fait. Saison prochaine. Ah non, non, non. On a un maillot spécial pour les grands tours. Qu'on mettra quand on y arrivera. On n'est pas prêt d'y arriver encore. Bon, Geoffrey, tu vas t'occuper des bidons derrière. Bien sûr.
Ah ouais, Davy, je crois qu'il a fait. Ben, il a pas fait top 10, Clément Davy. Il a pas fait 8ème, genre. Ah, vous nous faites chier pour des sprints là, vraiment. Il me semble qu'il a fait une petite place dans le top 10, un hein, fond de top 10. Hein. Alors, je confonds avec un autre. D'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais si Alaph il gagne dimanche, les trois Français de Soudal Quickstep auront gagné les trois derniers championnats de France. C'est trop stylé, hein. Pour une équipe qui sont que 3 comme ça, face à toutes les armadas où ils sont 15. Davy, c'était en 2022, 8ème. Il a pas fait fond de top 10 aujourd'hui? Ah ouais. Pourquoi je le voyais fond de top 10, moi? Oh, le grimpeur frauduleux. Ah, ça c'est, j'adore ça. Vroom. On sait jamais, hein. Dimanche c'est FDJ versus Quickstep. Ah, Alaf, ça a l'air quand même vachement pour lui, hein. À bon nombre de l'bov. Replacez-vous les bébous. C'est pas grave, ça arrive de tomber. Ah, on l'a vu en direct. Alexis, ça va? Non, il repart vite lui, pas moi. Putain, on repart toujours en dernier, hein. Fais chier, hein. Ah, lui il a encore mis Girard là. Ah, Harrison au sol. Tiens pas sur son vélo, Harrison. Bah alors. Oh, ça a cassé le peloton en 15. Il va certainement y avoir des dégâts. Un Grégoire. Ouais. Pourquoi pas, hein, mais... Après, le problème, c'est que championnat de France, les trois quarts du temps, c'est des scénarios où c'est des mecs inattendus en échappée qui vont gagner. Et Clément. Oh, Clément, c'est facile, c'est facile. C'est facile, le vélo pour lui, Clément. C'est facile, Clément. Carissé, premier meilleur grimpeur de cette route d'Occitanie. On aime bien, on aime bien. Non, j'aime bien. Victoire de Julien. Aïe, aïe, aïe. Ah, je serais à l'arrivée aussi, ouais. Je fais les trois, moi. Je fais samedi matin les jeunes. Samedi après-midi les meufs. Dimanche les gars. C'est France TV dimanche. Pam, 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 pam. Je rappelle, peut-être, je crois que je l'ai dit déjà hier, mais je l'ai dit sur Discord tout à l'heure aussi. Mais c'est bon, c'est validé pour les, la Ligue Fantasy du Tour. Vous savez, les petites Ligues Fantasy, les petits jeux en mode mon petit gazon un petit peu. Ouais, tous les ans, on fait une ligue avec Scorito, nous. Là, je crois qu'on est 2500 joueurs. L'année dernière, on était 3500. Et bien, cette année, le premier, il gagnera le maillot de l'équipe de son choix. Maillot officiel de l'équipe, il me dira le maillot de l'équipe qui veut, je lui payerai. Et les deuxième et troisième, les jeux de leur choix, sur la console de leur choix. Voilà. Donc si jamais vous voulez rejoindre la ligue et jouer avec nous. Point d'exclamation, Fantasy TDF, je crois. Si, je vais avoir le maillot. Et bonne chance à tous, force à vous, que la chance soit parmi vous. Le 326ème gagne quoi? Putain, il est plus protégé ce Max. Oh, Max. Max, 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 super Max. Je préfère faire 2 que 1, on est des geeks ici. Bah, c'est vrai que si. Après, en vrai, si le premier s'en bat les couilles du vélo et me dit qu'il préfère un jeu, je paye un jeu. Ça me va. Ça me va en vrai. En vrai. Peut-être même mieux, hein. On va espérer que ça soit un geek qui gagne. Ouais.
Ouais, bien sûr. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. On annonce une chute. Putain, mais ça fait que tomber là, c'est une dinguerie. Bon, Anthony, tu te sens bien là? C'est ton moment, Anthony. Anthony, c'est aujourd'hui que tu vas le faire. Je te le dis, mon Anthony. Que la service officielle est sortie. Si, mais tu peux déjà la commencer. De toute façon, c'est pas validé hein, une fois que t'as fait l'équipe. Hein. Tu peux la modifier. Hein. Elle se valide juste le 1er juillet, le jour du départ, avant le départ de l'étape. Je crois que c'est midi 55, je crois. La validation de la team. Augmente son allure. Certaines équipes non, sur le plan national, ça a pris l'Occitanie, les gars. Ah, Clément. Clément, il aura un beau maillot demain. C'est pas mal, Clément. Belle échappée. Très, très belle échappée, même. Si on me demande. J'adore, j'adore ce que t'as montré. Hein. C'est pas en août. Non, c'est pas vendredi, c'est samedi matin. Les jeunes, je crois, c'est les espoirs, non? Je me trompe dans les noms à chaque fois, mais. Non, non, les CN Espoirs, c'est à chaque fois en même temps que les. Enfin, je sais pas, c'est peut-être autre chose que espoir, mais. Il reste moins de 5 km à parcourir. Allez, Davy, c'est fini. Goujard qui passe. Ah, c'est assez vallonné là le final là. Allez, Geoffrey, Anthony. Ah, Anthony, le vallon il aime pas. Hein. Ah, Geoffrey non plus, tu vas me dire avec les downs. Je suis amateur, j'en ai aucune idée, je sais pas. M'a dit c'est les jeunes. J'en sais rien. Allez, Geoffrey. Allez, Anthony. Oh, Anthony, je le sens. Premier maillot leader. Boum. C'est gagné. Il avance pas. Il n'y a rien de gagné, Anthony. Tu nous as. Bah attends, tu nous as. On a connu mieux là, Anthony. Oh, on commence à être déçu des 3ème places. Terrifiant. Victoire de Rudy Barbier devant Antonio Ressus Soto. Anthony Maldonado 3. 4 Renard, 5 Pachet. Putain, on commence d'être déçu de podium face à Alexis Renard et Quentin Pachet. Je crois qu'on a atteint un point de non-retour, les gars. Ouais, je crois qu'on a atteint un point de non-retour. En vrai de vrai. Salut Chou Pizza. Palam palam pam pam. Bon bah troisième. Ouais, c'est pas mal hein. Clément Carissé. Ah, les maillots sont dégueulasses hein. Putain, avec la manche noire et tout là. Il m'avait pas manqué ces maillots là. Hein. Ah non, atroce. Atroce, atroce hein. Pourquoi ils ont foutu une manche noire comme ça là? Oh, c'est nous. Salut. Enchanté. Nous, on vient de Provence. J'aime bien. Ah, mais toi, chaque fois que tu dis que j'aime bien, c'est des goûts de chiottes. Tu m'étonnes plus, hein. La honte. Ah, pourquoi? Parce qu'Altel, c'est vert. Orange et vert, ça fait trop bizarre. C'est pour Euskadi, le vert, je crois. Ah, le carré vert. Ouais. Ouais. Balanana. Solo scène. Non, j'y vais avec Cofidis. Ouais, le tour de Norvège. Bah, demande à Barna, faut juste que tu supprimes, que tu décales l'étape 1 du tour de Norvège. Cap découverte. Nanana. Samedi, c'est amateur, pas les jeunes. Oh, mais c'est pareil. Ah, oui, mais, ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'est pareil. Oui, c'est peut-être ça, oui. J'en sais. De toute façon, j'en sais rien, je sais même pas c'est quoi exactement, mais. Ce que je sais, c'est que c'est samedi matin, départ 7h du matin. La haine, trop triste. Après, ça buvera du champagne et ça mangera des petits fours des 10h du mat. Ça, c'est bien aussi, en vrai.
En vrai. Eh bien, bonjour à vous. Cette course est relativement plane. 7 heures. C'est vraiment le terrain de. Ouais, normalement, je vais dans la voiture avec putain ce bon vieux Siskevicius. Qui est DS ou directeur, je sais plus quoi, de. Je crois que c'est l'équipe d'Aix. Il m'a dit rendez-vous 7 heures. Voilà un pari audacieux. Attaque à l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ouais, il y a quelques points, mais c'est des petits points. Non, reste au chaud, ça sert à rien. Ton maillot est déjà assuré, Clément. Tranquille. Oh là là, t'es beau. Ah non, t'es pas très beau là, mais tranquille. Bon, Anthony, 0. Hop là. Devant carrière. Oh, mais ça a rien à voir. C'est un. Allez, c'est un hasard de zinzin que j'ai pris Koff l'année où je fais tout ça avec Koff. Mais ça a rien à voir, hein, c'est pas lié les deux. Même si j'avais fait une carrière avec, je sais pas moi, avec FDJ ou j'en sais rien, moi, je serais eu à Koff. Robé qui a fait rouvrir le vélodrome. Si. Non, mais en gros, lui, il est. Maintenant, il est. C'est lui qui était directeur de course pour le Ventoux. Et du coup, on a parlé avec lui et tout. Il nous a dit qu'il avait son équipe de jeunes d'Aix et tout. Moi, je connais que dalle chez les jeunes. Enfin, du coup, c'est amateur, pas jeune, pardon. Et du coup, nous, on lui a dit qu'on allait. On faisait les CN. Et qu'on serait là samedi, et du coup il nous a dit bah venez avec moi en voiture, machin, suivez l'équipe, la course. Mais giga sympa, hein. Un boss c'est ce qui est. Le crack. Il parle bien français. Oh oui, très bien, il parle mieux que moi là. Si, il est lituanien, ouais. Il parle trop bien français. En même temps, il a fait tellement d'années dans des équipes françaises que. Oh, il habite en France, là, ouais. Bah, là, de toute façon, il est toute l'année avec Aix, là. Il marche bien, je crois. Il met. Alors, je sais pas s'il a essayé de vendre son équipe en mode ouais, ouais, ouais. Il m'a dit que son équipe était première chez les amateurs cette année. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Palam pam pam. Lui, Aix est fort. Lui, c'est meilleur amateur Aix pour le moment. Faut qu'on verra. Hein. C'est terrible. Je vais être dans une voiture d'une course. Je ne connais pas un gars qui sera dans le peloton ou devant nous. C'est. Les mecs qui seront sur le podium, je les connaîtrai pas. Je serai en mode... Salut mec, ça va? GG. Honteux. Ah, désolé, hein, Nico. Hein. Tu les fais pas, toi, c'est les courses comme ça, là? Après, j'espère que. Putain, 7h du mat. Je vais faire une petite sieste. Hein. De toute façon, c'est pas télévisé, ce truc. Pas de risque. C'est bon. Je peux rompiche à côté de Siskier dans la voiture. Tranquille, personne ne me dira rien, personne ne me verra. Toi, non. Pff, honnêtement, je t'avoue, non. Non, en vrai, non. Non, je trouve ça drôle, en vrai. Sinon, je dois pas faire de contenu sur la course amateur, donc... Justement, c'est bien, je vais découvrir sur le moment...
Il m'a juste dit qu'il avait... C'est quoi? C'est un petit britannique, je crois, qui gagnait tout. Aix. Je sais juste ça. Je sais pas son nom, mais je crois que c'est un britannique. Petite côte de Monestier. T'as mis un mec dans la voiture. Il y a la course devant lui, les championnats de France. Le mec, il dort. Il va mettre un coup de coude. Flamme rouge. Hop. Eh oh, chef. Flamme rouge, là. Hop, hop, hop. Quand même. Petite story ou pas, là? Ah, ça me termine. Ah non, c'est tort. Ah, j'espère qu'il aura des petits sandwichs, des petits pains au chocolat dans la voiture. Parce que Koff, ils m'ont régalé. Hein. Ah, Koff, c'est pas, ils m'ont pris à un moment donné et j'ai fait que le ventoux. Genre, vraiment, j'ai fait toute la course. Je suis resté 3 heures dans leur voiture là. Enfin, 3 heures, j'abuse. Ça a pas duré 3 heures vu que c'était raccourci. Mais ah, ils m'avaient préparé des petits sandwichs. Ma. Ça mangeait des sandwichs pendant que le mécano derrière il changeait les vélos. Course c'est mieux. Ouais, pour les coureurs. Après, moi du coup pour derrière, je crois que ça va être moins bien. Les équipiers des principaux sans oreillettes. Ne laissent plus du aucun coup. Bond de sortie. L'étape va se terminer par un sprint massif. Allez Anthony. Maxime, laisse passer Anthony. Voilà, parfait. Moins de 5 km à parcourir. Hop. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Bon, Barbier, tu me la laisses celle-là ou pas? Nico, c'est qui tes copains qui sont là-bas, mec? Ça, je pourrais leur faire une petite dédicace, mec. Si je les vois passer à côté de la voiture, je vais leur crier Nico mal. Dans les oreilles. Allez, 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 Geoffrey. Allez, Geoffrey, allez, Anthony. Ça monte un peu, un cap découverte, hein. Rudy, t'es mauvais! T'es mauvais, Barbier! Je vais te fumer! Je vais te fumer! C'est moi le meilleur! C'est Barbier le meilleur. C'est définitivement le meilleur. Super. Nouvelle victoire de Barbier devant Soto. Le vert. Quatrième place d'Anthony Maldonado. Oh, attention à la cassure, là. Non, rien à dire. Hein. Quand il y a plus fort que soi, faut juste s'avouer vaincu. Hein. Bien joué. Hein. Pensez. Ah mais c'est toi sur Twitter, Dame Sensei. En vrai là on a fait un bon sprint, je trouve. Il était pas lent. Hein. La première étape on a vraiment démarré en avance et tout. Il a pas avancé là. Là il était dedans là. Là j'ai reconnu mon Anthony que je connais là. C'est moi. Putain, t'as dû te régaler. Hein. Flo Dauphin et Louis Roulant. Et ils vont gagner ou pas, mec? Ou ils vont faire groupe tôt. Rudy Barbier leader. Maldonado 3ème à 16 secondes. Flo Faf plus. Ah ouais? Flo Dauphin. Putain. Ah mais il court pas X. Tu penses si j'ouvre la fenêtre et que je passe ma tête et que je crie Flo, allez, 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 allez. Siskey il va me regarder bizarre. Non? En vrai. Je pense qu'il va me dire tu fais quoi là? Il va me lâcher au bord de la route. Hein. Si tu le vois, c'est mauvais signe pour lui. Oui, techniquement, si je le vois dans les voitures, ouais. Effectivement, ouais. Col de Bérède. L'étape Rennes, Port de Balèze, Perrosourde. Les favoris. Pedrero, Storer, Covilly. Vizcarra, Christian. Putain, on n'est pas dedans. Avec eux. Alors bon, en plus, sur le genre de course... Championnat de France, ça reste un grand championnat. Il y a beaucoup de monde, c'est chiant. Championnat de Slovénie, ah, tu devais être seul au monde. Hein. Il devait y avoir quoi, 25 personnes au bord des routes? Enfin, à l'arrivée. Genre, t'as le temps de parler avec eux, les mecs ils sont détendus. Surtout les coureurs qui sont détendus. Genre, Poga, il tabasse de l'amateur, il est détendu, il est là pour parler, quoi. Bonjour et bienvenue. Les étapes de montagne sont particulièrement intéressantes à suivre. Ce n'est pas un hasard si les faits les plus marquants de l'histoire du cyclisme se sont déroulés dans des décors montagneux. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai vu moins 3. Pfff.
Bon, Clément, 64 montagnes. T'arrives à prendre un point à port de balai, c'était un roi. C'est bon ou pas? Alexis plus 3. Peut-être Alexis devant aussi. Hein. Putain, mais attends, mais. Par contre, c'est moi ou Chevalier? Chevalier, c'est un mec clutch. C'est un mec qui clutch dans la vie, hein, Chevalier. Chaque étape, il nous a jamais déçus en forme du jour sur aucune étape. Même quand il revient de coupure, il est forme bof. Il est là, hein. Il est là, Max. Oh, mais Carissé, il est seul au monde, c'est quoi ce bordel, là? En vrai, ça me va, hein. Ah mais à 7 on va pas partir les gars. Si. Ah quoique. Eh sans le veau je pense que ça part. Je crois que sans le veau ça part. Sans le veau ça laisse partir. Ok. Ok ok ok. Ça part de là. Ok, parfait. Bah écoutez, nous sommes partis pour cette magnifique aventure qui est l'échappée matinale. Voilà, Goujard qui est là, qui va tourner les jambes. Clément qui va essayer de se régaler. Après, je dirais plus l'inverse, peut-être, hein, plus miser sur la gouge. Le physique. Même si Carissa a déjà un avantage de points. Qu'est-ce qu'on en pense là dans le chat là? On est d'accord, non? Plus miser sur la gouge. Clément, c'est pas qu'on l'aime pas, mais. Je pense qu'il vaut mieux miser sur la gouge. Hein. Clément roule, hein, mais. Même si Clément a les 20 points. Car il sait, mais rien peur. Bah, même pas avec le plus, du coup. Le seul avantage qu'il a est encore 64-62, mais avec le plus, il a 65 Goujard. Et la diff qui peut être là, c'est 63 endus, lui il a 72 quoi. Ah non, je pense que ça vaut mieux, il va plus tanker la gouge. Après, vu l'échappée de Gaulmont, il y a moyen que d'ici le sommet de Port de Balai, c'est déjà fini quoi. Ça c'est un risque. Hein. En vrai de vrai. Là, gouge, là, gouge, là, gouge. Allez mon grand! Oh, les autres ils ont tous zéro. Non non, on va miser sur la gouge. Vous allez voir, on mise sur le bon cheval là. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. J'ai mis slip de zinzin là. Non c'est bon. Oh le misclic de baiser. Oh je voulais pas mettre zéro moi. À deux, franchement à quelques mètres près c'était fini tout là. Allez Clément revient, reviens mettre un petit tempo. Ouais mais le but c'est pas d'aller au bout, le but c'est de prendre des points là. C'est quoi est mieux. J'ai loupé des belles courses, deux belles victoires. Hein, deux belles victoires en début avec Maldonado. Une avec je sais même plus qui. Ah, on gagne trop, on gagne trop. Ah, on gagne trop. Bien sûr. Ah oui, Dalla Valle. Dalla Valle qui a gagné. Dalla Valle. Wow. Oh. De Dana. La Lilala. Dalla Valle. Wow. Oh. Mais on atteint même pas le sommet du port de Balès là. Les brioches elles sont reloues là. Très relou même. Ah mais Marc Marquez tu fais quoi là?
Marc Marquez, certaines relou. Les équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Quel goat, Clément. Écœurant d'être un goat comme ça tous les jours, là. Non, non, tranquille, tranquille, le rythme Clément. Le imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Et nous voici à la mi-course. Oh là là, mais 13 bornes, là. Pourquoi on s'aventure dans les 13 bornes dans le port de Balès avec, avec Alexis Goujard, frère? C'est ça notre problème aussi. C'est qu'on est con. C'est qu'on est complètement fou. Ah là, par contre, un équipier montagne, mon ref, vu que Valentin a moins 3. Pouah. Pouah. Ah, mais t'as changé de maillot, Adrien. Ça va mieux avec ton teint, ce maillot, Adrien. Je trouve. Je trouve que ça va mieux avec ton teint. Oh, Marc Marquez, arrête. Putain. Ouais, ça roule vite, hein. Movistar, ça y va. Hein. Wesh, notre tierbe. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds. Qu'est-ce qu'il fout là, Marc? Bah, Marc, reconversion. Putain, mais vraiment, bon, on n'atteint pas le sommet là. C'est... Ciao! C'est fini pour Guglielmi. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Alors, en fait, tu vas garder ton maillot, mon petit Clément. Juste parce que personne va prendre de points jamais, tu vois. Allez, Maxime. Oh putain, on va être tout seul. Tout seul après le premier col, 75 bandes de l'arrivée. Ça va, vous? Alexis Goujard repris. C'est... ça semble pas bon, cette histoire là. Et là, ça roule plus! Non, mais la honte! Oh, Movistar! C'est soit on roule pas, hein, mais pas entre les deux là! Ça va laisser skill vide et bonne foi aller chercher les points là? La honte, la honte, la honte. Hein. Tout le monde est cramé. T'es malé là. T'es malé, team, la team. La 24. Bah, je t'avoue, je fais rien de particulier, je sais pas. Je sais pas. Ah, ça va tenir là. Mais moi, j'hésite à aller prendre les points là, limite. Hein. Histoire d'avoir au moins quelque chose dans la besace. Non, je sais pas. Juste histoire 2, même si on passe que 2, c'est pas grave. Tu vois, on prend 12 points. Si jamais on fait une perf à la fin, on n'a pas fait un effort superflu là. Alexis est passé en plus. Masterclass. Bien joué, Alexis. Affiner leur trajectoire et leur position sur le vélo. Ça, Maxime, 12 points. Hop, hop, hop. Ressourde, Jamil le passe en tête. Chute de Pedrero. Oh, le leader Movistar au sol. Putain, j'ai mal au cul. Ça va, vous? Vous avez pas mal au cul en ce moment? Ouh là là là, mais quelle chute spectaculaire! C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. Vroom. Oh, Clément. Oh, Clément, le retour. Ah, oui, mais il est loin là. Clément de retour dans le peloton. Carissé peut-être aussi. Ah, peut-être pas Carissé.
Est-ce qu'il va tenir devant le Skiwild? Ah, ils sont de retour les deux là. C'est mal, là, le Clément et l'Anthony. Ça vit, hein? Les occupations. C'est quoi tes occupations, mec? Quelles sont tes occupations? Putain, je vais encore me taper. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. J'ai encore 3 vidéos à tourner pour ce week-end. Et 8 heures de rediff qui me manquent à faire. Ça, je reconnais ça. Ça c'est quelqu'un qui va se coucher à 6 heures, ça. Comme la semaine dernière. Je crois qu'on veut pas savoir faire de la descente. Vas-y, mec. Régale-toi, t'as raison. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Le rythme régale-toi. Est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Pourquoi fait ça, là? Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Ah, qu'est-ce que vous faites? Attention à cette descente. Ce n'est il a 32 points, lui. Maxime en a 18. Ah mais c'est même pas les poster, Imu, c'est que je dois les faire. Ton Adinox. Non, non, j'ai refusé. Malheureusement, pas le temps. Quoi? Valentin! Tu vas où? Reste là. Allez, roule. Ouais, voilà, fallait pas attaquer là. Comment ça? Il est fou ce mec! Non mais il est fou ce type. Le rythme à poser semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Bon bah écoutez, Skiwild, dès qu'il casse à ce mec, hein, il est là depuis le kilomètre zéro, il a tenu. Hein. Il a tenu avec 64 montagnes, je sais pas comment il a fait. Un leader est tombé. Espérons que la soupe était bonne, on va rien dire. Mais... Le de la ah non, désolé, hein. Désolé envers ce mec. Hein, mais... Les coureurs approchent de l'arrivée. Allez, col de Bered, est-ce que vous y croyez à la masterclass de Maxime Chevalier qui va nous faire rêver? Qui va aller s'imposer au sommet, Maxime! Maxime! En plus, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une équipe de fous, quoi. Goujard en meilleur équipier en montagne qu'à 65, ça, c'est quelque chose, hein. Et ça part. Valentin, bidon, s'il te plaît. Oh, il va pas ramener le bidon. Oh non. Oh, guignolo. Oh, ça, c'est descendu tellement vite, la barre jaune. Pas la nouvelle descente. C'est la Madeleine avec des marches, je crois. Et je me demande s'ils mettent pas A à tout le monde. Parce qu'on est d'accord, Démarre il a pas A en agilité de base dans le jeu. Par contre, la Madeleine c'est long, hein. C'est 20 bandes, je crois. Ah, ça roule fort, hein. Mobistar ça y va. Hein. Eh, Maxime, tu nous as habitués sur les petites courses points pro françaises à faire des petits top 10. Au général, t'es l'homme des top 10. Démarre bien là. Ah ouais? Ok. Moi ce soir. Ah les gars. De toute façon, c'est une semaine desquelles restent les descentes. Donc, lundi, mardi, mercredi et ton pour aller faire. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Oh là, ça monte vite, Movistar il ruine le fun là. Allez Alexis. En vrai ça va, hein. ils auraient pu tenir moins longtemps mes équipiers, hein. Oh là là, il tente sa chance. Allez ça part. Allez ça part, c'est fini pour Alexis. Merde. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Guérin! Les pourcentages sont particulièrement rudes. Ah, je suis parti à contre-temps, j'ai été un peu bloqué par la masse là. Guérin qui fait le poisson pilote, qu'est-ce que tu fais? Pedrero, Schoenberger qui lâche. Guérin, Storer, Rocha, Bishkara. Et on reprend Berthet.
Ah, ça joue entre Guirin et Storer. Non, Storer peut pas passer. Storer peut pas passer. Ouais, non, il a pas fait le poisson pilote, j'ai rien dit. Hein. Bien joué, hein. Bien joué, bien joué, hein. Allez, Maxime! Va chercher Schoenberger. Deuxième Storer, on voit rien, c'est excellent. Ah, on va faire 7. On va faire 7, pas très loin. C'est bien, Maxime. Bien battu. Jury, il est dopé, Guérin? Mais non. Oh, Moreira! Salut, mec. Elle reste encore 9 jours la descente. Oh, bah voilà, attends. Elle reste jusque vendredi ou samedi pro, c'est ça? On a toute la semaine dernière pour s'amuser dans la descente. Là, on laisse les petits s'amuser. Ils se croient chauds, ils font leur top 1, podium. On va arriver, on va les détruire. Et au moins, on les laisse kiffer une semaine. Ah oui. Max en sprintant, il a reculé. J'étais deuxième à un moment donné. Tu l'es déjà plus? Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, Guérin, il était chez... Putain, l'équipe avec le maillot gris, là. L'équipe autrichienne, comment elle s'appelle encore? Je sais plus. Bon, en tout cas, nous, on est 7ème à 1.08. C'est le classement de la montée, c'est le général. Vollarberg. Ouais, exact, exact. Maxime a 20 points. Oh, Maxime, meilleur jeune! Oh! Bien joué! Ah oui, large en plus. Large, large, large. 2.13 d'avance sur l'Ascano. Magnifique ça. La quatrième, c'est Rocamadour. Si t'étape punchy là. Ouais. Maxou, Maxou meilleur jeune fond de top 10. Il nous a habitués, hein. Sur la plupart des courses françaises, Maxime, c'est ça, hein. Tu regardes les courses par étapes. Étoile de Bessèges, il nous fait 4ème du Gène en étant meilleur jeune. Tour des Alpes Maritimes et du Var, meilleur jeune en étant 9ème. Copie Bartali 5ème en étant 2ème meilleur jeune. Tour des Alpes 8ème en étant 7ème meilleur jeune. 4 jours de Dunkerque 7ème en étant 2ème meilleur jeune. Il floppe jamais. Sur une course par étapes d'une semaine, il ne floppe jamais, Maxime. C'est l'homme des courses d'une semaine. Ouais, même les classiques, c'est pas mal, hein. Morbihan 7, 7 Mercantour, 3 Besançon, Victor au Jura, 5 Paris Camembert. Ah non, magnifique, magnifique. D'ailleurs, attends, ça donne quoi les classements là? On a des mecs top 100 là? Oh, Vingegaard qui chute. Terrible. Oh là 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 là, Maxime, Maxime de justesse qui garde sa place dans le top 100. Maldonado, c'est. Oh putain, il y a beaucoup de flèches rouges là. Non, c'est parce qu'on n'a pas couru, les gars. Allez, regardez, on a couru que le Réloir. C'est Guillaume Martin, ce mec. Bon. Oh, on a dépassé le total. Ah, Q36, les bâtards. Ah, mais même par équipe, tu vois le classement. Mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ce truc. Genre là, tu peux te dire, tu peux voir c'est qui les flops, quoi. Les équipes. La porte, incroyable, 4ème, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, Tobias Foss, 15ème, gros nullar. Kelderman, gros nullar, 19. Moins de 100 points, Kelderman. Oh, Guérin Thomas, 200 points, le gros nullard aussi, là. Ah ouais, Valentin, course pourrie. Bah alors, Valentin. Je suis à 100%, mes stats physiques sont ultra faibles. Bah, tu prends quoi en up? Et ça dépend ce que t'as pris comme... truc de départ, quoi. Thomas pire que Catanulos. C'est le futur de l'équipe, minimum top 10 du tour dans 2 ans. Je suis d'accord, hein. Fond de top 10 pour son premier tour, boum boum. Avec nous. Course par étape, puncher. Ah, normal. Course par étape, t'as pas un physique de fou. Hein. Et du coup, et les meilleurs up à prendre pour up en physique, faut que c'est baroudeur, grimpeur. Les courses par étape, t'as pas de physique. T'as juste une récup.
Course par étape, endurance, résistance, t'as que dalle. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être une course très tactique. Maldonado plus 2. Clément, tu repars devant. Ah putain, 12 points, il peut monter à 32. Oh, égalité, il nous met devant, non? Je serai devant. T'inquiète. Il est parti, tout seul. Anthony plus 2 pour Rocamadour. Après, Rocamadour, c'est dur, hein. C'est du vallon, hein. Vaut mieux jouer avec avec Maxime pour valider le top 10, hein. En vrai. Il y a Valentin qui est sympa. Non, Anthony, c'est pas grave. Hein. Anthony, c'est pas pour lui aujourd'hui. Hein. Anthony, tu restes chaud. Hein. Ouais, le maillot blanc aussi à défendre. Il y a peut-être Valentin qui peut aller chercher un mini résultat sympa là. 72 vallons, 73 montagnes, moyenne montagne. Crois pas. Ouais. Bon, Carissé devant en tout cas. Qui veut une info sur les loutres? Vas-y, fais-nous kiffer, mec. Ah. Genre, littéralement, Carissé tout seul, c'était un problème là. Oula, ça s'agite à la super. Personne n'a de points. On prend les deux grimpeurs, on est égalité. Et après, c'est. Pile ou face. Non mais Top Sport, c'est bon, vous avez loupé le coche, laissez-nous tranquille. C'est ciao l'échappée, Top Sport. Ah, ils vont nous faire chier longtemps là, je crois. Ouais. Ils en ont pas marre, hein. Ils en ont jamais marre, les mecs. Ah ouais, ils vont être fiers d'eux là. Ils vont une échappée. Bien joué. Voilà, ça pour ça. Putain, les salauds. A plus, dame. Oh, s'ils ont fait ça et qu'en plus leur coureur nous vole les points, je serais dévasté, hein. Vous pouvez pas aller chercher le maillot à poids, les gars. Laissez-le. Ah, magnifique, il le laisse. Ah, ça, c'est cool, ça. Les mecs peuvent plus le jouer, ils le laissent, ils le jouent pas. Parce que ça, l'an dernier, c'était très, très chelou, hein, très relou. Hein. Magnifique. Salut, Clément. Chute dans le peloton. Vroom. Vroom. Bon, le sprint, personne va le faire non plus. Bon, essaye de récup, Clément. Ah, il y aura 32-32, putain. Je m'en veux de pas avoir gratté un tout petit point avec Clément. En plus, j'avais hésité de le faire sur l'étape d'avant, de le petit 3ème 4, le gratter là. Ah, Clément, il en peut plus. Il a fait 3 échappées sur 4. Regardez sa barre. Hein, Clément, arrête. C'est une dinguerie comment les échappées, c'est. Ça te ruine maintenant. C'est Gianluca. Et juste après, c'est les scènes, les gars. Juste après, on ramène 6 maillots à la maison. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas incroyable. Geoffrey, Clément. Dernier bidon, Clément. Enfin, dernier nom. 80 bandes, j'avais pas vu si loin. Ils nous ont foutu une étape de mort en plus, 200 bornes. La pression sur le championnat de Suisse. Ça roule vraiment fort. On va ramener 0 maillot. Ah bah en vrai, je pense qu'il y a 98% de chances qu'on ramène 0 maillot. Ouais. Ouais, je dirais 98%. Oh putain, mais t'es mal à barre. On va même pas le prendre le 3ème 4 là d'après là. Italie se fait voler. Ah ouais? Bah tant mieux en vrai, du coup. La Suisse, c'est un peu vallonné. Oh. Mais Carissé, il a... Ouah, doucement devant, s'il vous plaît. Forcez un peu après, plus tard, mais pas maintenant. Oh. Clément. Il va pas tenir.
Prendre l'eau, prendre l'eau. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Ah. Bah attends, elle s'est descendue en 2 secondes là. Bon. Ah, bien joué à Skivild, hein. Rien à dire. Putain, je suis écœuré. Y'a eu quoi? Ah, oh, j'ai eu peur. Putain de merde. C'est la guerre. C'est la guerre. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la franche à la Kate Moss. PDF. Mais je sais pas où vous avez vu que j'allais faire des descentes aujourd'hui, les gars. Je vais pas faire des descentes tous les jours. Sinon, on va vite péter un plomb. J'ai vu qu'il y en a qui pétaient un plomb. Ils étaient à deux doigts de sauter par leur fenêtre au bout des. À la fin du live de ce week-end. Au bout, non. Je sais pas, on verra bien. Je pense, hein. Oh. Alors lui. Ah, c'est pas sa journée, hein. Bon, au moins, t'es lâché plus vite, mon ref. Hein. Ah putain, Clément! Ah bah non! Oh, les disaster class, Clément, qu'est-ce que tu nous as fait là? La nervosité les a conduits à la merde! Chute. Oh le con! Alors ça. Alors celle-là. Pa, je t'explique. T'es mal à la taille du bolide. De sa live à Clément, il est passé à côté du maillot. Après égalité, il aurait peut-être pas eu, on sait pas. Hein. Non mais le mec il en peut plus Théma. On dirait on est sur une étape de haute montagne du Tour de France quand même. Théma le mec, il a juste fait 3 échappées sur la route d'Occitanie. Ah quand on va emmener des carissés et tout sur le Tour l'an prochain, ça va être exceptionnel hein, si on est invité hein. Ah non je te le dis hein. Merci Grumpf. Et nul aussi. Eh hey, 70 vallons hein. Comment ça, il est nul? Un peu de respect, hein. Ce genre d'étape, normalement, c'est tapine. Hein. En vrai. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Allez, Aurélien. Valentin, pardon. Petit pro. Ouais, c'est vrai. Encore une attaque. Oh. Peut-être l'échappée il est tombé chez Red, je crois. Chéri, il était à ma droite, il s'est pété la gueule, le con. Allez, allez, allez Maxime. Allez Maxime, allez Maxime. Allez Maxime, va la chercher. Ah, ah. Non, c'est bon. Ah, quoique, non. Non, Maxime. Victoire de Maxime Chevalier. D'une demi-roue. Qui écœure les groupes AMAFDJ qui font 2 et 3. Quentin Paché et Michael Storer. Marc Oliver. Pritzen fait 4, 5ème Luca Covi, 6ème place de Valentin par épeintre. Nouvelle victoire de Maxime Chevalier qui va garder son maillot blanc, le conforter. Et qui va peut-être même venir chercher une petite placette là, non? Ouais. 10 secondes de gratté, et voilà, c'est un top 6. C'est un top 6 pour Maxime, si une petite cassure pour Pedrero. Petite cassure, Pedrero? Non. Bon, allez, petit top 5. Allez. Max, super Max. Bien joué, mec. Bien joué, bien joué. Le général, non, pas de cassure. Maxime Chevalier termine 6ème de cette route d'Occitanie. Victoire d'Alexis Guérin au général. Ouais, vas-y. Rudy Barbier, meilleur sprinter devant Paché. Maxime Chevalier, meilleur jeune. Un nouveau maillot de meilleur jeune dans le bus de la PCT. Pam. Eh ben écoutez, direction les CN. Eh ben oui. Bon, la prédit traditionnelle des CN, bien sûr. Ah, vous avez 5 minutes. Bien sûr. Ah, bien sûr.
En slip pour Maxime. T'as raison, mec. Totalement raison, même. Oula. Un connard. Bien préparé ici. Hein. Ok, bien. Pour l'après-dit. Oh bah non. Oh bah non, bah non. Allez, je vous ai mis 5 minutes l'après-dit. Combien de maillots on va ramener? Sachant que nous avons France ITT, Italie ITT, Suisse ITT. Italie, c'est Vallonnet arrivé en descente. France, c'est Cassel. Suisse, c'est Vallonnet. Hop, hop. Alexandre Balmer, qu'est-ce qu'il y a à l'entraînement de Balmer? Il aime pas quoi lui? Fait chier Balmer. Tu veux du moderne? Bah, je te donne du moderne. Si tu veux du moderne. Parfait Alexandre. J'espère que tu vas up d'ici 2 semaines. Hein, si... Sinon. Ah, sinon, ouais. Pour les meilleures chances françaises. Ah non, meilleures chances françaises, on est sur quoi? On est sur du. sur du Alexis Goujard? Ouais, on est sur du Alexis Goujard qui est face à Julien Lafilippe, face à ces mecs-là. Ouais, pour le Mont Cassel, ouais, avec Alexis. Hein. Peut-être Clément, hein, Clément Davy, hein, 69 pavés. Hein. Clément, avec une petite forme bien sympa, on sait pas. Hein. On sait pas, on sait pas. Hein. Pour l'Italie, on a Belletta. On a Belletta qui est complet, Belletta. On verra ce que ça donne. Dalla Valle. Mais non, 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 Dalla Valle passera pas, ce sera Belletta. Et en Suisse, on a Balmer et Froidevaux. Je pense qu'il faudra compter sur une échappée de Balmer au cas où. Goujard avec un plus 10, c'est favori. Alors moi j'y crois à la Gouge. La Gouge championne de France, ça vous fait pas rêver ça? Est-ce que, si dimanche, la Gouge est championne de France. Magnifique. Bah oui. Après, il faut imaginer parce qu'il peut pas. Ah oui. Ah oui, ah oui, putain, je comprends pas, il y a beaucoup de zéros, hein. Pourquoi vous mettez zéro là? Vous voulez savoir, ils sont combien? Ils sont deux à avoir mis 6. Il y a Cped C qui a mis 1200 sur 6. Il y a un mec qui a mis 100 sur 4. Il y a un mec qui a mis 4000 sur 3. Et puis, on a LP qui a mis 50 000 sur 2 quand même. Ouah, Mathis qui a mis 250 000 sur 1. Et Armand. Armand! Qui a mis 100 000 sur 0. Ce jeu. Si, il y a un mode multi, ouais. J'ai envie de manger des gougères. Fais ce que bon te semble, mon pote. Ouais. Bien sûr. Allez, Seine, Italie, ITT, 67-67. Ouais, belle étape, pic de forme, ça change tout. Ah, c'est gagné. C'est gagné. Déjà, on va battre Ghana là. Pas le mode multi. Ouais, c'est très basique, hein. Tu lances une course, tu peux te faire un tour ou. Et c'est 16 joueurs max. Mais pas trop de win. T'as pas trop de win, t'as voté 2. Ah non, t'as voté 1. Ouais, je vous jure que plus de. Déjà 1, c'est la fête, hein. Le truc, c'est que même s'il y a un bug, enfin un bug, il y a un scène où on se retrouve dans une échappée avec 40 minutes d'avance, on a que des mecs qui avancent pas et qui. et qui vont peut-être se faire fumer par les nuls de l'échappée. Ah, là, na, 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 na.
Je prédis victoire au CN de Suisse. Je pense que c'est le plus probable. Hein. Italie-France, ça ira pas au bout, donc... T'as cassé tout à l'heure, c'était une dinguerie. Cavani a tout cassé. Ah, il était très fort, hein. Il fume tout le monde. Oui, d'accord, mais c'est vallonné et dans les boss, il tient pas, quoi. Et avec son physique des courses de plus de 200 bornes, il arrive sans rouge, quoi. Je vais vraiment pas miser sur Froidevaux, hein. Tu gagnes, je t'offre 50 subs. Oh, attention aux trucs comme ça. Hein. Parce que si je gagne, tu vas vraiment les offrir là. On connaît. Hein. Mais les deux, ça passe. En vrai. Mais dans tous les cas, va falloir mieux miser sur Balmer que Froidevaux. Pas sub. Oh, oui, mais non, mais je sais. Save bug plus, non. Tu gagnes 5 cents, je gagne 1,7 million de points. Wesh, toiture. Ça vaut quoi, mec? Ça va et toi? Ça allait bien, mais là, t'es arrivé, là. Un seul con, oui, j'offre 10 subs. Putain, vous prenez pas de riz, je suis trop triste. Après, même si je les gagne pas, n'hésitez pas à les offrir. Ouais, objectif 1000. Ouais, oh, ouais. Mode carrière, là. Palapalapapapalapam. N2. Alors, je vous dis, hein, le 98% de chance qu'on ait 0, 2% de chance qu'on ait 1. 0,00000001% de chance qu'on ait plus de 1. Par alors, vas-y, salut mec. Oh putain, moins 2. Oh regardez, même les vélos de chrono, ils nous ont fait des beaux vélos. Papa. Sans BG. Ouais, off des subs Arthur mec. Je me suis sub chez toi tout à l'heure mec. T'as vu ou pas? Putain, en plus t'es blindé Arthur, la honte. Allez hop, Trentin, on est derrière. Oh, le plus 2 pour Belletta. 70 chrono. 70 chrono, vous vous rendez compte de la pépite qu'on a entre les mains. Pah, excellent. Je peux pas les battre, je peux pas rep. Non, c'est normal, c'est parce que tu dois les sub, les gens. Mec. C'est normal, ils ont pas de badge. Garde ton fric pour Malte. T'es fou, mais Malte, il va arriver sans fric, mec. Hein. Il est au chômage, en plus. La honte. Oh, Arthur, qu'est-ce que tu fais, oh. Ah, Nico, faut pas qu'on mise sur Arthur pour Malte. Hein. Ah, il est sur les bases. Oh là là. Pardon. Igor. Oh. La surprise. La surprise, Igor. Igor Belletta. Ah oui, il tabasse tout le monde. OMG. Oh putain, même Baroncini l'a tabassé. Oh le flow, les quick-step avec leur roue et tout. Ah. Cataneo nous a mis une minute. Ah, 15ème. Ah. Fin du rêve. Fin du rêve. Putain, dégoûté.
Ghana, il m'a mis combien? Ça va encore, hein, il est pas si en avance par rapport à Cataneo. Hein. Ah, il y a que 20 secondes d'écart, hein, même par rapport à Sobrero. Hein. Ah, Belletta, tu peux être fier de toi. Peut-être un top 10, Belletta? En vrai. Que 18 ans, le bébou, hein. 19, pardon. On rappelle, hein. Le futur de l'Italie. Allez, Belletta sur la ligne. Ah. Joli top 10, Belletta. Frigo. Cinquième temps. J'ai l'impression de finir bien, en vrai. Il s'empare sous nos yeux du meilleur temps au classement provisoire. J'avais l'impression. Hein. On va faire top 30. Petchol, Cataneo. Ah, même pas, on va faire 32. Oh putain. Bon, en vrai, 32, t'enlèves le 2, c'est pas jam. Hein. Sobrero. Pouah, pouah, pouah. Pipo. Papa arrive. Papa est rentré. Allez hop, putain, le suspense de zinzin en Italie. Bien joué. France ITT. Oh, l'équipe est malheureuse en plus. Pas de Julien, non. Non. Non, non, désolé, Jus. Ouais. Goujard, top 10. Après, dans la vraie vie, Goujard, il a dit qu'il voulait battre Cavagna et il a fait 49ème. Hein. Déjà, ceux qui ont mis 6 commencent à pleurer, c'est ciao. Ah, mais toi, je vois que t'avais mis 2, commence à pleurer aussi. Hein. Cavagna, champion IRL. Cet après-midi. Pam 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 pam. Allez, Morin, Eolotti, et Smoothie. Ok, soupe éclatée au sol. Oh, Kevin. Kevin versus Thibaut. Putain, il a des vrais stats, hein. Oh, il a que 70 montagnes, Kevin Vauclin. Ah ouais, avec la moyenne, ils l'ont mis ultra fort en moyenne montagne et vallon, mais pas en montagne. Ah, c'est un coureur punchy, quoi. Ouais, c'est pas déconnant, il a rien montré encore en pure montagne. Honteux. Enfin, y'a quoi d'honteux? Y'a rien d'honteux. Il a montré quoi en pure montagne, Vauclin? C'est juste qu'on n'est pas habitué, mais là, il a des très bonnes stats. Hein. Lui, en vrai, il a les stats par rapport à ce qu'il a fait en IRL. Hein. Sur Paris-Nice, non? Enfin, l'étape où il a perf, c'est de la moyenne montagne. Salut, Royal Thierry's. En vrai, juste que ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude, mais c'est pas aberrant les notes. Oh. Thibaut, oh Thibaut, en 12. Bah, le truc, c'est qu'en pure montagne, il a même pas fait une seule course en pure montagne. Déjà 70 en soi, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. On l'a jamais vu sur la montagne. La seule montagne qu'on aurait pu le voir, c'est Couillol et il s'est pété. Dommage. Dommage. En vrai, il aurait montré un bon truc, il aurait eu plus, je pense, mais... Oh, Grégoire, les stats... Il a fait Tillon 2000, il fait combien Tillon 2000? Merde, j'ai oublié Goujard. Bon, il a moins 2. 19 quand même. Bah, c'est pas...
Oui, il a up là, Grégoire, il a pas 80 de base. Caris et Davy, vous êtes nos deux. Et Davy, c'est notre chance pour une place. Hein. Oh putain. C'était ah, le vainqueur vient de partir, les gars. Voilà. Le vainqueur est là. Ah. Peut-être pas en fait. Allez David, une bonne forme. Allez mon grand. Ah. Ah écoute. On s'est régalé. Hein. Bon vent de face dans la gueule en plus, 42 vent de face dans la gueule. Pinot qui va être champion de France grâce au vent. Alors celle-là, tu l'avais pas vu venir. Et Olaf, ah, il est là. Oh comment il va fumer bonnet. Ah non, même pas. Oh, éclaté Olaf. Nul à chier. Oh, Juju. Ah oui. Putain, mais Pinot, il va être champion, là. Il a pas eu de vent, lui. Perez, il est encore sur le podium. T'es mal, ils sont tous derrière. Me dis pas. Me dis pas que c'est pas vrai. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Oh, gros chrono, Clément. Incroyable. Sivakov. Il va gagner grâce au vent. Il a dit le Tib. Ouais, pour la course en ligne, pas le chrono, hein, je t'avoue. Il va gagner grâce au vent. Je vous jure qu'il va gagner grâce au vent. Théma. Oh, Guernalec qui s'intercale entre lui et Vauclin. Il était fort, Guernalec. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Et David, top 10, hein. Il va le faire, Cavagna. Rémi Cavagna ou Thibaut Pinot. C'est fait. Pour 12 secondes. Thibaut Pinot parti il y a 6h30. Qui est champion de France du contre-la-montre. Rémi Cavagna et Benjamin Thomas. Top 10 pour Clément David. Hein. Clément David, 10e à une 22. Hein. Pouah. Oh, le Tib, idole champion de France, son deuxième championnat de France chrono. Grâce au vent, 48 de moyenne, c'est nul à chier. Pour un chrono, je suis mort. Il oh, n'y avait pas d'objectif sponsor, si. Alors sur la course en ligne, mais. Ah, si. Ah, c'était top 10 ITT, mais pas sur la course en ligne. Bah, incroyable! Ah, c'était victoire d'étape là, il l'a fait. Putain, incroyable, incroyable, incroyable. Ah putain, Eurel War, c'était un objectif, j'ai même pas fait gaffe. National Championship Suisse. Oh là, je suis pas sado là. Pas te mentir. Palmer 7ème, bien joué.
Voilà, pam, 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 pam. Et pas Bichegger apparemment, non. Peut-être blessé, hein. Peut-être blessé, hein. On sait pas, hein. C'est le cachet. Palmer? Ouais. Oh ouais. Bon, Belletta, c'est ton jour. Ah putain, il a perdu le pic. Depuis le chrono? Ah, ah. C'est con, ça. Ah ouais, la veille. Ah non, le matin même. Oh, l'enculé, tu fais pas d'effort. Le matin même. Stylé. C'est qui la grosse Schartner, Youngles, Almeida, Vini, Zukowski, Watched, Castroviero, Oka, Cerny, Walter, Ludvigson, Blazov, Sagan, Penili, Tratnik. Ah ouais. Kung, Legnesunt, Mads, Brandon. Putain. Oh, il a up 2 zinzin. Il était pas 75 moyenne de montagne et vallon, lui. Oh non, mais il va nous demander 5 millions d'euros. Non, non, fallait pas que tu up maintenant, toi. Putain, fais chier. C'est pas bon, ça. Je vous jure que c'est pas bon. Remco. Ah, dans le jeu, il tombe pas. Au moins ça. Ghana, ici, on a vu. Bonnar, Skuins, Fred White, Mathieu, Vatra. Si, là, putain, mais ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout, même. Bon, je vous le dis, les 3 CN, c'est échappé et on prie, quoi. Suisse-France, je vois pas comment. Pam 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 pam. Oh, j'ai plus d'eau. Je suis dégoûté. PSM 23. Ah ouais? Après, c'est bien, t'as quoi là? T'as 4 heures de jeu là, je pense, non? C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà mieux que l'an dernier. Hein. À la même période. Hein. Court et relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Les coureurs vont souffrir aujourd'hui. La pluie paraît incessante. Oh, je fais quoi là? Échapper, pas échapper? Échapper, hein, pas le choix, hein. La multi, t'as pas le temps, mec. T'as la femme qui t'attend, mec. Oui, il est parti. On va voir ce qu'il peut faire. Yo, Campez. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Leur allure. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Va être relou cette histoire là. Les coureurs n'ont vraiment pas de chance avec la météo aujourd'hui. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ça ou quoi, FT Bat? Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Bon, ben, Belletta, force à toi, hein.
On va voir. Hein. Tant pis, tant pis. Recule un peu, recule un peu. En détente. Merde. Ah là, allez. Oh, oh. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Vincennes. Ah oh bah non, mais je vous dis, on n'en aura pas. Hein. Enfin, all-in sur la Suisse, quoi. Mais Italie-France, on gagnera pas. Ça, c'est une certitude. Tube demain. Oh non, 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 il y en a deux qui sont sortis en 2 jours, là. Bon, ça va pas aller au bout. Pour le moment, il y a 6-30. Assez logiquement. Mais l'état, ça va être à toi de jouer, mon pote. Hein. Échappé. Ah, mais il n'y a pas d'échappés qui vont au bout en Italie et en France. Hein. Les échappés qui vont au bout, c'est pas un bug, les gars. Hein. C'est juste, c'est sur les scènes où il n'y a pas beaucoup de coureurs. Et du coup, dans le peloton, il se retrouve à... Il n'y a aucune équipe avec assez d'équipiers pour rouler, genre. Du coup, ça roule pas. Et les championnats où Belgique, France, Italie, ce genre de championnat, c'est hyper rare quand ça va au bout. Hein. Ça peut arriver, mais... $4,50. Allez, Dario! Moi, j'ai confiance en toi, Dario. Tu vas nous sortir un truc de nulle part là, 19 ans. Chute dans le peloton. Ouais, Mbappé les gars, ça va être comme tous les ans, hein. Juste tous les jours, il y aura une info différente, une offre différente. Ça va être comme ça jusqu'au moment où il partira vraiment. En vrai, ça roule pas comme ça. Bah, les temps, on sait jamais, hein. Hein, hein, Dario. Tu te sens ou pas, Dario? Voilà, le seul problème, c'est qu'il doit prendre ses bidons tout seul. Trentin Formolo. Le peloton semble vouloir reprendre l'échappée. Ça roule fort et l'écart est en train de diminuer. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Plus que 4 tours de circuit. Eh, alors peut-être. Moi j'y crois, moi. Allez hop. Et Goujard, il va gagner la France. Et Froidevaux va gagner la Suisse. Les 3 maillots dans l'équipe. Boum. La PCT en Conti Pro, la PCT sur le tour. Bim bim. Oh, dans la vallée, hein. Forza Watt. Crois-le. Ouais, ouais, je crois avant moi, ouais. En plus, Beletta, il m'a dit, là, l'oreillette, il m'a dit qu'il avait de bonnes sensas, là. Putain, Calzoni et compagnie, là. Après, c'est qui qu'on... Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%.
chute d'un coureur dans le peloton. Heureusement qu'un autre n'a été touché. Putain, il aurait gagné. Vous me croyez ou pas? Je vous jure qu'il aurait gagné. Oh là là, une chute vient de se produire. Je vous jure, il aurait gagné. Écœuré. La vie est cruelle pour les jeunes. Putain. Regardez, c'est une course nulle en plus, il aurait gagné, c'est un sprint à 42. Je vous jure qu'il serait présent dans les 42. Hein. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Je vous jure qu'il serait dans les 40. Retry. Oh non, la tronche de zinzin quand même pour penser. Rien que d'y penser, la tronche de fou furieux. Quoi. Bah du coup on retry jusqu'au moment où on gagne quoi. On retry chaque course jusqu'au moment où on gagne. Ça joue là entre Albanese et... En vrai Albanese c'est stylé. Hein. Albanese je signe. Une bonne Axel. Mais oui en vrai il y avait moyen de carotte là. Sprint à 40 avec un parcours comme ça je te jure qu'il y avait moyen. Albanese. Pas Velasco. Albanese. Ah. Velasco. Velasco devant Albazene. Après, ça, ouais, c'est Fabio Aru, quoi. C'est stylé. Hein. Ouais, champion d'Italie sur chez Astana, ouais. Pas mal. Ah putain. Je suis dégoûté. Le sport est cruel. Que voulez-vous? C'est les dures lois du sport. On tombe, on se relève, on doute, on célèbre. Stana Senibali. Non. C'est mieux Haru, mec. Il avait un plus beau maillot. Et toc. Yo, filou. Ah, it's time. It's time. Morale de l'équipe, heureux. Ils sont heureux parce qu'ils savent qu'ils vont remporter le titre. Ils le savent. Palmer, tu vas devant. Palmer, tu vas devant. Joue FC0. Ah putain. Non, non, FC1, mec, tu t'es trompé. Temps des tempêtes. Pas d'effort. Hannibali, c'était vraiment dégueu en vrai son maillot. Hein. Par contre, le maillot d'Aru. Oh, le flow. Non, le flow exceptionnel. C'est Velasco le champion. Palapapapa, palapapapa. Papapa, palapapapa. Ah, j'ai oublié de l'enlever. Oh, j'espère qu'il gagne pas. Je serais très triste. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Le profil de cette course est... Ah là tu vois, peloton comme ça, ça me plaît là. De coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Oh putain. Bah Froidevaux va devant. Oh non, je suis dégoûté, pourquoi c'est pas l'inverse? Froidevaux à l'avant mon pote. Oh si c'était l'inverse, c'était gagné en fait. Froidevaux pour le back-to-back ou pas là? Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. C'est bon. Un Tudor devant.
Et un Tudor. Et Igor. Ok, Froidevaux. Froidevaux, c'est ton moment. Froidevaux, c'est sur toi que tout l'espoir de l'équipe retombe, ok? 65, 67, 62, 66, 65, 65, 65, 68, 71, 67, chiant lui, 61, 68, 66, 68. Jacobs et Voisard vont être relous. Le physique, on a tous le même là. Hein. Parce que des mecs à 60 de physique, mais. Palmer, ça sert à rien, les gars. Il a moins 2. Palmer, il sert à rien là. Père, je t'insulte. En mode, c'est free win là. On en est sur une free win là. Ah, au bout. Non mais juste j'étais sûr que ça allait au bout. Mais non, on n'a pas non plus les coureurs qui sont assurés de gagner si ça va au bout quoi. Genre Voisard, s'il est en bonne forme, il nous tabasse dans les boss hein. Il nous lâche hein. Envoyer les deux. Et Balmer aurait rien fait les gars. Froidevaux a 20 fois plus de chance que Balmer. Pala papa la pala papa la pala papa la papa la papa la. Oh putain, s'il te plaît. Faites qu'il n'y ait pas d'attaque dans les boss. Le back to back ou pas là? Froidevaux, champion de Suisse deux ans d'affilée. Attends, mais lui il a gagné comment IRL l'an dernier là? Au sprint? Il a battu qui au sprint? Arrivons avant les autres. C'est vrai, c'est vrai. Non, dit comme ça, c'est vrai que... Ouais. Hein? Ça se désorganise déjà, ta gueule. Non, 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 non. Free win qu'ils ont dit. Arrêtez. Je vous en supplie. Arrêtez vos conneries, là, les gars. C'est la bonne humeur, tout ça. Moi, je le connais pas, ce coureur champion de Suisse, quand même. Tu es un cyclique, ce mec. Eh ouais. Massive dans le peloton. Heureusement, ça n'a pas oh, inspecteur Colombo au sol. Arrêtez d'attaquer! Ah, il casse la tête. Ils nous font chier. Hein. Vraiment. Vraiment, vous nous cassez les couilles. Hein. Faut dire les termes, hein, là. Là, on n'en peut plus, là. Tu as raison. Non, je rigole. En vrai, Froidevaux, genre de scène, tu l'oublies très vite. Hein. T'as dû avoir l'info au moment où il a gagné ou quoi. T'as dû le savoir une fois, mais... Je t'avoue que ton cerveau, il se dit pas, tiens, faut que je retiens Froidevaux, champion de Suisse. Oh, les relous de service, quoi. J'en reviens pas. Les gars, 30 minutes d'avance, restez tranquille, non? Venez, on fait un pacte, on s'attaque dans les deux derniers tours si vous voulez, mais. Ah non, deux bondes quand même. Non, j'avoue, deux bondes quand même. Et chez Alpecin, tu le voyais souvent, deux bondes. Froidevaux, à la limite, et chez Tudor, à part si tu regardes Romandie et Tour de Suisse, tu le vois pas, quoi. Et encore, est-ce qu'il a fait le Romandie et Tour de Suisse? Oui, je pense. Tu roules pas aussi. T'es un putain de menteur, tu regardes les yeux fermés, là. Je suis vraiment dans. Merde, j'ai une pause. Je suis vraiment dans les chiffres qu'ils demandent depuis le kilomètre zéro. Juste, c'est des débiles. Le plus rapide, bah, je dirais que c'est moi quand même. Après, pas le meilleur dans les boss. Pas le meilleur physique.
C'est vrai qu'il y a le plus 3 qui nous aide. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Ça le sait pas. Ah ouais, je suis en tête de groupe alors que ça tourne normal, ouais. Après, Shokat, c'est juste que c'est un gigabug, hein, les attaques infinies comme ça, là. Si jamais. Hein. Ça existe depuis je sais pas combien de PCM, c'est abominable. Hein. Essaye limite. Ouais, c'est bien de la merde, caca, boue, burk, vomi. Vomi, ce genre de truc. Bleh. Genre là, prends ses relais, là, hop! Robin ne roule pas assez. Deux tours de la fin. Plus de bug. Ah oui, il faut être en tête, ouais. Mais c'est pour ça que tout à l'heure j'étais en tête pendant 40 bornes au moins et c'est. Ça attaquait quand même. Genre vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin que juste c'est un bug, hein, Shoka. C'est possible qu'il y ait des bugs dans le jeu, tu sais. Il n'y en a pas qu'un. Depuis des années en plus. Ah, je sais pas, Théo. J'avoue, j'ai pas suivi ce truc. Putain, l'effroi de vos faut tenir et gagner au sprint. Et tabasse tous au sprint. Faut juste tenir. Faut juste être là dans le sprint, c'est tout. Au hasard, arrête tes conneries. Genre, même s'il y a moyen de contrer, ça reste un bug, hein. Ça reste de la merde. Ce truc des relais, des attaques infinies en échappée là. Par Suisse. Ah, je sais pas. Hein. Après, de quelle Suisse, mec? Suisse romande. C'est pas, hein. Le petit Suisse. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, 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 ouais. Ça se bagarre à l'avant. Nous sommes à une bosse. Kilomètres de l'arrivée. Une bosse à tenir. Ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Tiens pas là. Monsieur. Allez, Jacobs. Belle attaque. Oh là là, il tente sa chance. Putain, j'ai peur du sprint de merde. Te fais pas baiser avant la bascule. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ouais, je vais mettre le gros relais histoire d'être sûr que ça sorte pas avant le sommet. Encore 10 km à parcourir. Parfait. Ok, 10 km avant le sprint final. Oh là, au moins maintenant on peut prendre les roues quoi. 60, 64, 59, 63. Allez, allez, va la chercher mon petit. Elle est pour toi. Elle est pour toi, celle-là, mon petit. Le back-to-back, tu le gardes, ton maillot. Il y a ton nom dessus. Il y a ton nom dessus, Robin. Tu vas rendre pauvres des milliers de gens, Robin. Ils ont pas cru en toi. La honte. Parfait, le timing. Dans la route du plus rapide des 6. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Dans la route du plus rapide des 6. Allez, allez. Oh, putain. J'aime pas ça. Allez Robin. Allez Robin! Au bout! Au bout Robin! Tu tiens! Oh il va tenir! Oh il va tenir Robin Froidevaux! Qui garde son maillot de champion de Suisse! 2 ans consécutifs! Il était venu là pour gagner et il n'a
devant Johan Jacobs et devant Luca Jenny. Magnifique Robin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bah oui, les ultras t'aiment aussi Robin. On aura au moins un maillot dans l'équipe. Je suis riche. T'es pas riche, on va gagner les France avec Goujard. Ah ouais. Let's go. Robin Froidevaux, champion de Suisse, 2 ans d'affilée. Goujard, je doute un peu plus. Je comprends. Non, je comprends. En vrai, je comprends. Cette belle mine. Bonne nuit, Polo Nino. N'oublie pas que t'es pauvre, hein. En te couchant, s'il te plaît. Et oh, 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 le D-Ward. Écœurant. La honte. Pff. Moi, j'y crois, la gouge. Ah, Robin. Mais on donne un record à Robin. The fuck. Mario, c'est suffisant. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais vraiment pas. En vrai, je vois pas. Ils sont tous en semaine de coupure, pas de pic. Non, vraiment, tout est ouvert pour la win. Ah, Madouas, Laporte, Sénèche, Alaf, c'est qui? C'est des bouffons. On va les fumer. Bardet, Godu, Cavagna, Grégoire, Pichon, Touzé. C'est nos petits. Hein, mais Adrien. Pem 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 pem. Voté 2 sont contents. Putain, Adrien, t'es le roi des cons. C'est qui ont voté 1, c'est 0. Putain, le débile. Le débile. Putain, Adrien. Je suis un connard. L'oublie pas ça. J'espère que je te vois ce week-end, je te balaye, mec. Pouf. Palette. Sur Twitch. Si, il y a les replays sur Twitch. Pour les subs. Et après, pour les non-subs, il y a tous les replays sur YouTube. Sur la chaîne de replay. Bien évidemment. Regardez cette magnifique chaîne de replay. Tyros TV, il y a tout. Il y a tout qui sort. Putain, ma Z, elle fait des vues, la chaîne replay, wesh. Ah ouais. Mazette. Ah, putain, les petites vacances en octobre là. C'est mais j'ai Walou. Ah si, je t'assure hein. Et d'accord, vous les voyez les rediffs les gars. En vidéo. Ah oui, vous les voyez. Papa la papa, papa la papa. Papa la papa, papa la papa. C'est dimanche. Attends, c'était qui le champion de Belgique l'an dernier? Ah bah c'était Merlier. Putain, ça m'a pas marqué ça. Hein. Pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice. J'avoue que Merlier, j'ai l'impression l'a pas vu. Sous un soleil radieux, oh, Geoffrey champion. La course aujourd'hui. Geoffrey première ligne, échappé champion. Boum. Attaque à l'avant du peloton. Il se fait gêner par les motos. Il a pas fait de GT. Ah non, j'avoue que Merlier. Ouais. Bon, Goujard, la gouge moins 1.
Il y a des moins partout. Autant vous dire qu'on est mort. Non, autant vous dire. Je sais même pas si. Je pense qu'il vaut mieux se mettre en caméra moto et. Parce que là. Ouais, mais sud leader, ouais. Avec ce bon vieux 58 Plusieurs pavés coureurs là. sont en train de sortir du peloton. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier C'est l'échappée la du jour victoire. au vu de Ah la mais les gars, mais montée là du même avec un plus peloton. 2 ou plus 3, on gagne L'échappée pas. est Hein. terminée. Vous vous rendez Le pas compte, je peloton ne crois. leur a laissé aucune Ah putain, chance. mais il y a le bug. Ok, faut attendre pour l'échapper. Le même bug que l'an dernier. Vu qu'il y a un secteur pavé, bah, le peloton roule à bloc même sans échapper. Bon, c'est dimanche. Pas trop risqué, hein, de se péter avant le tour. Bah, attends, mais. Il se passe quoi là? Allô? C'est bon, ils sont calmés, il n'y a plus le secteur là. Là, à gauche, là, à gauche, la gauche. Geoffrey, Geoffrey. Waouh. Salut les gars. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du Allez hop, peloton. ça part. YouTube, Twitter. Ah mais ok, t'es là-dessus. Clique sur le nom de la chaîne. Et là, t'as plein de trucs. T'as clip, t'as vidéo, t'as... C'est pas sur la même page du live. Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey. Dans 3 jours. Oh, la honte de dire ça. Nul. C'est dimanche, tartiflette. Papa la pape. Papa, pape. Bim, bim. Cette minute. Et là, gros bug, ça prend 25 minutes d'avance. Geoffrey Soupe, champion de France. Qui rend pile pour un an de contrat chez nous. 7 minutes. Allez, c'est pas assez, 7 minutes. En plus, comme si ça suffisait pas, il y a du vent, quoi. Ils annoncent du vent, là, dans le nord, là, à Cassel? Je sais pas s'il y a du vent à Cassel. J'ai gagné. Non, il a fait deuxième à un sprint, mec. Ah, putain, ça y est, il commence à nous casser les couilles. Oh, j'en ai déjà marre. Je vais me mettre en vue moto. T'es mal les relous de service devant, là. Vous me faites chier. Ah, Lopez, il a gagné. Il est à 6 sur 7, là. Putain, attends. Du coup, il y a 10 étapes. Va-t-il... Mais il a combien d'avance au gène? Quelle chaîne est SN? Oh, c'est France TV, je crois. Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey. Grégoire, il a 80 ballons. 3 minutes. Oh, nul. Il a chié, qu'est-ce qu'il fait? Il est malade ce mec. Et il veut revenir en Europe. La tronche. Mais ça m'étonne que Medellin, ils font pas plus de courses en Europe d'ailleurs. Je croyais que ce genre d'équipe, ils faisaient beaucoup de courses en Europe quand même. Ça doit coûter cher. Oui, mais je les voyais plus souvent quand même. Un poil plus quoi, là on les a vraiment pas vus quoi. Tu sais, sur les courses espagnoles et tout, Majorque, ces conneries comme ça, je croyais, il semblait qu'on les voyait plus. Putain, t'es mal les barres jaunes. Notre meilleure carte c'est Maxime Chevalier, frère. 62 pavés.
Ouais, enfin, t'es organisateur, t'as Lopez qui vient faire ta course, t'inquiète pas que les organisateurs, toutes les suspicions sur Medellin, ils s'en battent les couilles. Hein. Et t'inquiète pas qu'ils feront bien la promo avec Lopez en tête d'affiche. Hein. Ouais, non, la vue moto, c'est pas mal, les gars. Hein. Non, non, je vous jure, c'est pas mal, j'ai même pas envie de me battre, là. J'ai juste envie de profiter de la course, là. T'es mal les barres, à 60 bandes de l'arrivée. Non, non, franchement... Une des motos nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Et ça attaque déjà à 50 bandes de l'arrivée. Non mais... Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Ouais, Goujard, gros leader, ça. Ah, y'a Maxime. 62 pavés de Montcassel, c'est quoi pour toi, Maxime? Et ton... Ah, mais s'il avait pas un moins 1, c'était bon. C'est qui devant? La porte? Ah putain, la porte Sivakov Calopin. Qu'est-ce qu'ils nous font les collègues là? Parce qu'il n'y a pas Medellin dans le jeu. Du coup, il n'y a pas Lopez. C'est pas qu'ils ont supprimé Lopez, c'est juste qu'il n'y a pas Medellin. Maxime Chermont, un top 20, s'il te plaît. Celle de Bardet. Oh, c'est la fin. Fin du rêve. Finito, Maxime. T'inquiète, Clément va te ramener Maxime. Medellin. Oui, mais il parle du jeu là. Il parle pas de DB. Enfin, les DB, oui, il y a Medellin. Bayette, il y a aussi Medellin. Là, on repasse. Boum! Eh. Pas mal, pas mal, pas mal. Théma, ils sont 17 devant. On joue le top 20. Exceptionnel, le top 20. Incroyable, même. Si tu me demandes. Ah non, exceptionnel. Visiblement, l'allure ne convient pas. Attaque de Maxime Chevalier! Qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Passe quoi devant? Qui devant? Oh, excuse-nous. Oh. Bah alors, on mange du caillou au petit-déj, David? Non mais bah attends, arrête-toi là. Comment ça, une 10 d'avance, là? Bah. Une 30. Bah, bah attends. Et lâche-moi cette seringue, lâche-moi les pavés, David. Putain, le con. Bardet qui part. Il a gagné? Oh, Madouas le traître. Attends, mais... Une minute sur Bardet. Yorafa. Non mais il vole. Arrêtez-le, il vole! Pichon! Pff. Oh là là. Il vole, il vole, il vole, c'est tout droit! Terminado le Montcassel! Ah, c'est gagné, hein. Victoire de David. Victoire de David à Cassel, champion de France, devant Romain Bardet. Attention, ouais, devant Bardet, attention à Madouas qui revient quand même. Ouais, ouais, savoure, 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 t'es en bleu, blanc, rouge, mon grand. Papa, papa, exceptionnel. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette traîne. Oh, il va se faire fumer. Non. Non. 2 et 3.
retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes. Sénèche qui fait 4, Guigui qui fait 5, Pichon qui fait 6. Ça va, Max? Max, ça a l'air d'aller. Hein. Tu vas faire combien là, Max? 15? 17? Entre 15 et 20? Je sais pas. Là, ils sont 2. Là, il y en a 3. Là, il y en a 2. 14, 15, 16, 17. On est 18, je crois. Oh, 18ème, Maxime Chevalier. Eh oui. Magnifique la per... Oh, la gueule des barres jaunes, mes frères. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Girard. Ça va être opus. Ouais, ça va encore. J'ai pas trouvé que ça a trop changé par rapport à l'an dernier. 725k dans la poche. T'as pris 725k là? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, Mathis le riche. Au partage, wesh. Mathis le bientôt millionnaire là. Bon, David champion de France. 1,2 million en banque. Fouah, millionnaire en fait. Même pas ça partage. La honte. Et ça passe. On va juste regarder les différents champions. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Et on se dit à lundi. Eh oui. Alors, chevalier pas au mieux. Ah, tu m'étonnes, les pavés, ça change un homme. Alors, Allemagne. Félix Gross. D'accord. Mathieu Van Der Poel. Wout Van Aert. Roger Adria. Mais non. Ouais, les stats, Roger, ça vit. Hein. Incroyable. Bon, ça, on a vu. Ah. Ah ouais, le petit sprint, là. Aider, machin. André Pierre. Lucas Eriksson. Karl Patrick Loke. Eric Vetter. Emil Lippins, Gleb Syriza, Peter Sagan, Oka, Bini, Sam Bennett, Félix Rochartner, Govekar, Ebé. D'accord, pourquoi pas. Dverns, quadruplé InnoX au sprint. Lawless, Stibar, Agnolkowski, Joao, Jorgensen. Ah, je suis dégoûté. Sean, cinquième, dommage. Robin, bien sûr. Matsui, Velasco, on a vu. Groschartner. Ah non, ça, on l'avait déjà vu. Mathieu a fumé Pascalou. Mais non. Ah, c'est devant Pascalou qu'il a gagné, ce chien. Ah ouais, bâtard. Ah ouais, en 1v1 comme ça. Même pas, il lui laisse. La honte. Oh! J'ai pas vu les notes de base. 84 d'Axel, ils l'ont mis. J'avais jamais vu ces notes. Ah ouais, bah force à toi, Pascal. C'est des menteurs, il n'y avait pas 4 secondes, il y avait 40 secondes. Hein. Ah, quand même, hein.